Franchement, elle a pas l'air non plus si effrayante que ça, quoi. Granny, vous connaissez forcément tous ce jeu, il est très connu dans le horror game. Et ben moi je le connais pas. Non, j'y ai jamais joué. C'est la première fois que je le démarre. Je connais comme ça de nom, j'ai déjà entendu parler et tout, mais j'y ai jamais joué. Partez d'ici, vous avez seulement 5 jours. Prenez tout ce qu'il y a dans la maison et surtout faites le silence. Elle entend tout et Granny est complètement barrée. Bonne chance. Un jeu d'enfant. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas démarré un horror game. Les arbres en tout cas, ils sont super bien faits. OK, d'accord. La baraque est là-bas. Alors bien sûr, c'est une adaptation du très célèbre jeu mobile Granny. Donc là, ça fait pas très longtemps qu'il est sorti sur PC. Je me suis dit, eh bien, pourquoi pas essayer. La dernière fois, on était sur Discord avec les abonnés et tout. J'en parlais, je disais... Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est mal faite. Qu'est-ce que c'est horrible. La dernière fois, j'en parlais effectivement sur Discord avec les abonnés. Je me disais, ce serait bien qu'on se retente un petit jeu d'horreur sur la chaîne. Et j'ai pensé tout de suite à celui-là, mon gars. Day one. Ça commence déjà à foutre les boules. En fait, c'est quoi, Granny? Donc, c'est un fantôme? C'est une psychopathe? D'accord. Ouh. Ouh. Ok, on a une torche. Est-ce que c'est normal que ça fasse noir comme ça? J'ai des doutes. Oh! C'est... What the fuck? Comment que c'est tout pété, mon gars? Déjà? Ah ouais, j'ai rien fait, quoi. Bon, alors, si j'ai bien compris, il faut faire le silence. Est-ce qu'on peut se baisser? Oui. What? R, se cacher sous le lit. Ok, donc là, faut qu'on ramasse absolument tout ce qu'il y a dans la maison. Un vase. D'accord, j'ai compris. Ferme cette porte. Comment t'éteins la torche, mon gars? Y a pas moyen d'éteindre la torche? Oh. Est-ce que tu veux jouer avec moi? Qu'est-ce qu'il raconte? Ah, d'accord. Ok, faut que je ramasse les trucs brillants, je pense. Certainement que je ramasse ça, non? Ah ouais. Putain! Ça va, elle m'a pas vu, c'est bon. Ah ouais, putain, elle entend tout, effectivement. Je vais aller par ici. Ah! Lave-la. Elle a entendu le plancher qui grince. Ah putain, comment qu'elle. Ah ouais! Ok, d'accord. Mais elle entend tout, quoi. Y a pas moyen d'éteindre cette torche, là? Oui. Ah, ok, d'accord. Elle me dit, tu veux jouer à cache-cache? Oui. Oui, parce qu'en fait, c'est ça, hein. C'est un genre de cache-cache. Hein. D'ailleurs, en parlant de jeux d'horreur, les gens, je vais bientôt faire, je pense, Resident Evil 2 en live sur Twitch. Il a l'air plutôt cool. D'ailleurs, si vous voulez le jeu, eh bien, il est en promotion en ce moment sur G2A. Je vous conseille d'aller y faire un petit tour, quoi. Il y a le lien dans la description, tu vois. Avec le petit code Jolotte, vous avez moins 3%. Putain, comment qu'elle m'a déglingué la tête, mon gars. Day 3, j'ai rien compris, mon vieux. Elle est en train de descendre. J'y vais tout doucement. Je pense qu'il faut regarder dans les tiroirs, il faut regarder un peu partout. Déjà, ça. Est-ce qu'il y a moyen de le désactiver? Oh merde, putain, elle en a mis partout, quoi. Attends. Quand j'ouvre une porte, elle entend rien, quand même. Ah ouais, non, mais en fait, Granny, c'est une psychopathe. Regardez. Elle a mis des cadenas et tout, mais laisse tomber, mon gars. Putain. Oh. What? Ouh! Je me cache. Merde! Elle a... Oh, what the fuck? Elle a posé un piège à ours dans mon placard. Et comment je fais, moi, pour sortir de là? Elle a posé un piège à ours au placard, quoi. Code? Oh! J'ai le code. D'accord. Ah! Saloperie. Elle est quand même toute pétée, Granny Granite, hein. Day 4. Ok, j'ai pas encore ramassé un seul truc. Laisse un petit pouce bleu, quand même, si tu m'encourages sous la vidéo. Ça me ferait plaisir, tu vois. Elle est en bas. Elle pose des pièges. Mais en fait, est-ce que t'es tout le temps obligé d'y aller accroupi pour avancer dans le jeu ou comment ça se passe? Oh! Une clé. Elle a fermé, la saloperie. En fait, je crois qu'elle est en train de poser des objets pour que je fasse du bruit, tu vois. Mais non, mais bah je suis mort. Elle va aller sous le lit? The last day. En fait, j'ai pas encore été en bas, hein. Je suis resté en haut pour le moment. Hein. Oh, oh saloperie. Oh, Emma, oui, un léger sursaut. Très léger, hein. À peine, je dirais. Et donc, là, qu'est-ce qui se passe? J'ai une seconde chance? Ah, je pense que j'ai une seconde chance. Mais cette fois-ci, je suis dans la cave. Ah! Game over. Ouais, pourquoi pas? C'était un petit coup de chauffe. Leave this house. Quitte cette maison. Est-ce qu'elle entend les portes? Elle a pas l'air d'entendre les portes, quoi. Batterie? Intéressant. Ah, c'est la batterie de la voiture. Je vais aller voir dans les tiroirs un peu. Une pince? Ah! Ah! J'ai foutu le dawa, mon gars. Un truc de ouf. Je pense qu'en fait, il faut jeter absolument tous les objets en bas, tu vois? Voilà, faut tout jeter en bas, faut trouver le code de la porte et après sortir. Je pense, à mon avis. Ça va l'attirer en bas. Elle est là-bas. Oh, non! Non! Ah, le piège, il a disparu. Il y avait un piège ici, là. Allez, vas-y, lâche-moi.
Oh. D'accord, je vois. En principe, là, elle devait se prendre son piège, tu vois. Du coup, la situation n'est pas trop RP. Bon, en même temps, son skin n'est pas très RP non plus. Ah, je me casse. Attends. Chut. What? Ah ouais, non, mais laisse tomber, mon gars. Mais j'arriverai jamais à sortir d'ici. Tu fais trois pas, t'as le plancher qui craque. C'est quoi, ce bordel? Et en plus, c'est vous qui m'avez dit de jouer à ça. Vous êtes sadique, franchement. Plusieurs fois dans les commentaires, j'ai vu jouer à Granny. Et Granny... Oh, un escalier secret? Une pièce dérobée? What the... C'est quoi ici? Attendez, mais putain, mais c'est qu'il y a carrément un étage. Mais laisse tomber, mon gars. Tu peux te cacher dans le coffre et tout. C'est quoi, ça? I need a special key. I need... J'ai besoin d'un marteau. Qu'est-ce qui se passe? Jour 2. J'ai pas spécialement compris ce qui m'était arrivé. Je veux quitter cette maison. Bah ouais, tu m'étonnes, mon gars. Je veux bien te croire. What? C'est fermé, les mecs, là. Je sais comment la tirer. Allez, ferme. Elle va ouvrir. C'est Granny qui a les clés. Là, tu vois, regarde. Elle est partie. Putain, mais laisse tomber, quoi. Mais elle est en train de poser des pièges partout. Et comment tu veux que je fasse quelque chose, moi, avec ça? Est-ce qu'il y a toujours mes objets en bas? Ah ouais, ça, c'est bon, tu vois. Ça, c'est good, par contre. Il y a toujours mes objets. Putain, elle est juste derrière la porte, quoi. Ah, c'était pas le bon plan, franchement. Ah, gros, attends. Attends, gros! Mais je pouvais rien faire! Je passe en mode rush. Putain, la revoit. Mais c'est pas vrai, ça! Faut qu'elle tourne à gauche. Tourne à gauche. Allez, tourne! Ok. Ah salade de fruits, bah. J'avoue, j'ai eu un petit, tu vois, c'est quand même stressant. Certes, elle est toute pétée, mais c'est stressant, quoi, tu vois. Voilà, t'aurais un truc tout pété comme ça qui te courra après. C'est la situation qui est stressante, tu vois. Elle t'assomme, elle t'enferme chez elle, mais vas-y. Elle m'a pas vu. Qu'est-ce que... Pourquoi il y a ça sur mon écran, là? Je sais parfaitement ce qu'on va faire. Elle a posé un piège. Ok. Regardez ce que je vais faire. On appelle ça une astuce de ouf, mon gars. Regardez. Je fais du bruit par là. Voilà, normalement... Ah! Salope! Pardon, excusez-moi. Désolé. Ah, putain. Non! Non! Elle m'a pas vu. Elle m'a pas vu. Ok, c'est la dernière chance. Le cinquième jour. Vous avez vu où je voulais en venir? Elle était quand même... J'ai une bonne idée, quoi. Ok, 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 je suis en bas. Oh, merde! Merde, mais y a rien pour se planquer ici ou quoi? Y'a que dalle! Ok, c'est bon. On est bien. On se détend, tranquille, on respire, on va y arriver. Hein. De toute façon, y'a pas de raison. Hein? Granny? Oh putain, mais regardez là comment qu'elle est maligne là. Et... Ah non, elle est pas maligne du tout en fait, elle est conne. C'est juste que c'est le truc qui est tombé quoi. Ah ouais, il y a une corde. Putain. Elle arrive. Merde, putain, mais il va pas arrêter de craquer ce plancher aussi, là? Wouh. Je me casse. Lâche-moi. Putain, mais ça... Putain, mais elle court, hein. Elle veut pas me lâcher, mon gars. C'est bon, elle m'a pas vu. C'est bon, elle m'a pas vu. Oh. Elle est buggée. Eh, mais attends. Putain, y'aurait pas moyen de l'enfermer dans un placard ou je sais pas, tu vois. Attendez. Y'a pas un placard quelque part par là? Merde, c'est fermé. Vas-y, viens. Ok, elle a ouvert. Elle m'a pas vu. Allez, casse-toi. Dégage. Allez, si elle va par là, on est bon, là. Vas-y, va là-bas. Va là-bas. Connasse, toi. Excusez-moi. C'est le stress. Putain, franchement, mais... C'est un truc de ouf, quand même. Oh. Oh, nouvelle cinématique. On la connaissait pas, celle-là. D'accord.
Ah ouais, 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 c'est une psychopathe, mon gars. Oh, fini, mon gars. Net, game over. Bon, écoutez, les gens, deux parties de granit, c'est deux fails. C'est le fail total, mon gars. J'ai pas tout compris, j'ai pas tout trouvé en fait. Si, j'ai bien compris qu'il fallait trouver des objets, qu'il fallait s'enfuir de la maison, mais franchement, c'est pas évident. Hein. Bon, écoutez, si vous avez des solutions, si vous avez déjà fini le jeu Granny, eh bien, dites-moi où sont cachés tous les objets dans la baraque. Comme ça, moi, je fais l'étage, je fais le grenier, je fais tout ce qu'il y a à faire, et on va se barrer de là vite fait. On retentera une deuxième chance. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, oubliez pas de lâcher le petit like sur celle-ci, ça fait extrêmement plaisir. Le petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez également venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Nous, on se dit à bientôt, et ciao tout le monde, bye bye. Ah, fous les boules quand même.